Et donc salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous très bien. Bienvenue dans un nouvel épisode de Vlux. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Total impro sur un coup de tête. On s'est dit, bon allez, on va louer un emplacement dans un camping à la Baule. Pour deux nuits, on va être bien. On va être bien. On est carrément bien là. Donc là, on est carrément en train d'installer le campement. On vient tout juste d'arriver. Faut qu'on décharge tout ça. Et du coup, on va vlogger tout le week-end parce qu'on a loué, on a réservé pour deux nuits. Et puis je pense qu'on va faire des trucs sympas. Allez, la petite picture. Je fais genre je travaille, je fais un peu de bruit, tu sais, ça fait le mec qui bosse, mais en fait je fais rien du tout depuis tout à l'heure. Ça fonctionne à merveille. Maintenant, place à la sardine. Par contre, on est entouré de voisins. J'espère qu'ils vont pas trop être relous avec la musique. Mais ça, c'est que la soirée qui va nous le dire. Et comment j'ai galéré à faire ma valise. Vraiment. Je me suis dit, imagine, tu rencontres la femme de ta vie. Eh, faut être beau à tout instant. Faut être beau à tout instant. Non, j'ai trop dedans. Celle-là, elle est pour vous. Est-ce que je peux ouvrir ou ça va tomber? Attends, aïe. Je vais vous montrer où ce que c'en est. Ça c'est ma chambre, je l'ai pas encore aménagé, vous verrez le avant après. Et là c'est eux là, la petite chambre toute petite là. Ouais vraiment, ce soir il est tout seul le luxe. Ce soir tout seul, on verra ça. Et on a une vue, elle est incroyable, je vous fais la scène. C'est comme ça là. Tu te réveilles. Et là tu te lèves, tu vois ça. Genre tu vois le soleil en pleine gueule, tu vois rien du tout en fait. C'est vraiment incroyable. Non, là voilà, on a une belle vue là, on n'a pas de voisins, on n'a rien. Incroyable. Bon, en fait, c'est de la merde, hein. De la grosse merde, on a le train devant nous en fait. Oh, comment j'ai trop le seum. On a le train devant nous. Oh, les cons. Oh, non. Oh, demain matin, s'il y en a un qui est pour 6h30, on est baisé. Oh. Oh non. Oh, on a le pire emplacement en fait. If you wanna ride, come ride with me. Take me by the hand, feel the chemistry. Losing track of time in the ecstasy. It's getting out of hand, it's just you and me. And we are never going home. Oh, whoa, oh, whoa. Let's go dance until the morning. Whoa, oh, whoa. And we are never going home. Oh, whoa, oh, whoa. Qu'est-ce qui se passe, les gars? On a oublié des oreillers, les gars. Ah ouais. Il est en train de monter son petit truc là. Voilà. Manque plus qu'à le gonfler maintenant. Ah putain, c'est vrai. Bah, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est voler de la bouffe un peu partout dans les campements. Parce qu'on a rien là. Bon, c'est l'heure de montrer le campement final. Voilà, on il a est fini. Incroyable. Après... Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Ça, vous avez kiffé cette petite séquence. Ouais. Et maintenant, c'est à vous de jouer. On va aller se planquer, à vous de nous dire derrière quelle arme on est, ou derrière quel rocher, quelle fougère. Comme de pain. C'est parti. C'est possible qu'ils ont trouvé. Impossible. Si tu les as trouvés, c'est que t'as menti, c'est sûr. Dis-nous en commentaire. Bon, on a fini le campement. On a quelque chose en rien. Ouais, on mérite un petit casse-croûte. On va aller chercher à manger. Un gros McDo. Allez, c'est parti. Allez, garde-toi, nom de Dieu. On vient dans la salle du McDo, là, on va se garer. Est-ce que vous voulez voir un créneau de qualité? Allez. Entre les deux arbres, là. Allez. L'heure de faire un petit tour du camping.
Parce qu'on l'a toujours pas fait depuis qu'on est arrivé. Surtout qu'il est très grand. Et en plus, il est immense. Vas-y, on va faire la visite des chiottes. Franchement, elles sont sourdes. Hein. Il y a pas de toile d'araignée. C'est déjà un bon point. C'est un très bon point. Bonsoir. Enfin quoi? Toilette. Pour combien? Tu vas lui faire un ouf. Avec ta retard, il a dit l'air, j'ai jamais ça. Mise en situation. Hop, petit brosse à dents. Là, c'est carré. Là, c'est cheveux. Très important. Voilà. Bah, c'est ça, faut qu'on se brosse. Ah, bah, on va se brosser. Ah, bah oui. On va se brosser là. On va devenir les squatteurs des toilettes. Bon, pour l'instant, le camping est bon. Mais. Oula. Il y a un peu de saleté. Là, il y a un peu de saleté. Oh là, c'est médiocre. Moi, j'aime pas quand c'est des trucs, des baignoires comme ça là. On va aller voir la piscine. Moi, je pense qu'elle est bien la piscine. La piscine, elle est carrément bien. On va être trop bien demain là. Trouver une vraie vue. Regardez ça. Alors, c'est dit quoi de perdre? C'est le second, hein. C'est le second du coup. Je suis le second, ouais. Ouais. Ça fait deux fois t'es premier. Des fois je suis deuxième. Des fois les troisièmes. Ouais. Horrible. Bon, vous avez YouTube, je viens de me réveiller. C'est parti pour le deuxième jour. Ouais, la nuit a été hyper longue. Là, j'attends que les deux autres ils se réveillent. Oh, ils dorment plus. Ils dorment plus. Ils dorment encore, je sais pas comment il fait, frère. Il y a eu 46 par jour pour bouger. Vraiment, c'était un enfer. Ouais, la nuit a été tellement longue. J'ai l'impression d'avoir fait 18 rêves. Je me réveille, je fais putain, j'ai bien dormi. 4 heures du mat, je fais quoi? C'est quoi ce délire? Bon, on part sur du ping-pong. Merci. Et mettez en commentaire qui va gagner. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une petite raquette et une grande raquette. Du coup, on fait une manche chacun avec la petite et puis on verra qui va gagner. C'est ça, tout à fait. Je vais le manger. Première manche gagnée pour Lux. Ouais. 11-7. Une grosse branlée. Ouais, un petit peu, ouais. Maintenant, je prends la grande raquette et là, je vais me régaler. Allez. À toi de servir. 12 heures. Attention, ça dégage. 7-4. Oh oui! 8-4. À toi. Deuxième partie. 11. 11-5? 11-5. Ouais, putain, là, plus grosse branlée encore. Ouais, grosse branlée. Des nouveaux prétendants ont rejoint l'aventure du camping. Oui, ils sont là. Est-ce qu'on les montre? Est-ce qu'ils méritent d'être montrés? Oui, regarde. Monsieur Bouillet, vous l'avez reconnu, hein? C'est Mister Payel. C'est moi-même. Et donc c'est parti. Ça filme ou quoi? Ah oui, ouais. Je suis dans le vlog. Plus vite que la voiture. Carrément arrivé à la plage, ma gueule. Pour combien? Pour 5. 1, 2, 3, 3. Oh non. Dépêche-toi par contre. Une fois que t'es dedans, quoi. Y yo solo pido sentir de nuevo tu calor. Ya probé unas cuantas, pero extraño tu sabor. Hey, si tú me llamas, yo le llego más rápido que emergencia. Pa' ti no hay competencia. Cuando tú llegas, se siente la diferencia. Ser una maldición o coincidencia con ese culote y esa carita.
Ayer te envié la cartita. Llevo todo el día en la playa pa' ver si se me quita. Las estrellas te ven y piden un deseo. Baby, tú tienes algo que yo solo veo. Ya no quiero más premios, no quiero más. Bon, j'espère que pour le moment le petit vlog vous plaît. N'hésitez pas à lâcher votre meilleur like, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis bah, kiffez la suite de la vidéo. On fait comme ça. Un créneau, mais t'as peur. Merci le conducteur. Et le copilote aussi. Et le copilote qui a pris la pizza, faut pas oublier. Une voiture militaire des familles. Toujours les biceps. Ah oui. Comment Will? Enfin, à la tienne. Plaisir. Enfin une bonne glace. Tiens, à la tienne. Il y a des lumières d'ambiance partout. Même là sur les portières, il y en a. Ah ouais, mais oh yeah, il est trop chaud. Tchuss. Bonne soirée. C'était esquive, mais esquivement cher. Ouais, je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti. Encore. Mais garde, il me donnait des coups de coude à chaque fois. Je subis, frère. Ouais, bah ça prend une enfant. Ouais, j'ai MK. C'est parti. Donc là, on teste à nouveau. Golf 8. La Malégaine. Maintenant, place à la soirée sur la plage. C'est parti. On se retrouve en cette fin de journée où Lucas, après avoir perdu le ping-pong, le volet, a perdu un jeu d'alcool. Et les raquettes. Les raquettes. Bah on les oublie il tellement, il perd à chaque fois. Le jeu de pierre là. Bon, il perd à tous les jeux, voilà, c'est le mot. Donc on laisse Lucas soigneusement déguster son petit cul sec, son verre. Voilà, et c'est gagné. Voilà. Oui, on l'a vu. On le voit bien. Voilà. Très bien. Bravo monsieur. Merci beaucoup. Bon la jeunesse, dernier réveil au campement pour les soldats. Franchement on a bien dormi. Franchement ouais. C'était sympathique. Et là on se prend un petit déj de chef. Des petits paquets de céréales comme ça, qui coûtent hyper cher mais qui sont incroyablement bons. Franchement ils étaient pas chers en plus. Ah ouais. Il y avait une promo dessus. Et moi j'ai pas les moyens. 10 euros. Et ça, un Capri-Sun des familles. Toi-même tu sais chacal que c'est hyper bon. Aïe, ah yeah. C'est la fin de l'aventure du camping. On a tout remballé. On a trouvé un nouveau concept. Si vous oubliez vos boules de pétanque, prenez des pommes de pin. Et ce qui devient pas une pétanque, mais une pain-tanque. Notez ça parce que c'est du génie. Bon, j'espère que vous avez kiffé ce nouvel épisode de Vlux. Nous, c'est fini. En tout cas, on a plié bagages. On va partir, on va profiter un peu de la piscine. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez lâché un like, sinon faites-le si c'est déjà fait. Abonnez-vous, ça fait plaisir. Et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Il a kiffé dans le vent. Et donc salut les petits potes.